préféré ce soir le comté. C'est le premier fromage qu'on a goûté. J'étais plus habitué à des fromages un peu durs et moins moelleux, et celui-ci a vraiment été exceptionnel. C'était un plaisir de retrouver en fait sur cet événement organisé par Club Business Art deux quand même pontes du Mans, à savoir Franck Bernard, Tell Me Wine, et puis Fabien Dégoulet, qui est le champion du monde des fromagers 2015 quand même. C'était une soirée vraiment superbe, franchement, une ambiance magnifique et une salle qui était vraiment remplie. Donc on voit que le Covid est commencé à être oublié. On remplit maintenant 50, on a refusé 10 ou 20 personnes de plus. Et surtout, quand il faut le dire, une cuisine extraordinaire de la part de Sainte-Catherine. Qu'ils s'associent ensemble pour nous créer cet événement incroyable, avec en plus Sainte-Catherine et le CFA qui nous a préparé un repas somptueux qui s'est complètement accordé avec les vins qui étaient proposés par Franck Bernard de Tell Me Wine et les fromages de Fabien, de Fromage et ses amis. C'était vraiment incroyable, un dîner pas comme les autres. Bah, le dessert, comme poire caramélisée là, et super. Et puis un duo qui nous a fait l'animation vraiment extraordinaire. Je le recommande à tout le monde, adhérents du Club Business Art, mais Franck Bernard et puis Fabien Degoulet, ils nous font une animation vraiment au top. Bon, en fait, c'est simple, concevoir une animation comme ça, c'est des tests. Avec Fabien, on se réunissait, on testait des accords entre des vins, des fromages, avec d'autres boissons, etc. On voit ce qui fonctionne moins bien. Et puis, parfois, on a vraiment des effets waouh, et là, c'est génial. Donc, c'est un dur métier. Hein.